Good morgen, allez, Yiden, je serai aujourd'hui le Lunishmat, François Vajé Ben Hana, Janine Ruth Batfort de Mazel, Pina Kolochon Ben Shalom, Michel Ben Linda et Walter Shmuel Ben Walter Israel Ben Shmuel. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Brachot, Perek Zayin Mishnah. Hey! Shtei Chaburot Shayuchlot Bebayit Echad, Bizman Shemitzatan, Roin Elu Et Elu, Are Elu Mitztarfin Lezimun, Veim Lav. אלו מזמנין לעצמן ואלו מזמנין לעצמן. אין מברכין על היין עד שייתן לתוכו מים דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים מברכין. Dernière משנה sur le sujet du zimun, à savoir, on a déjà appris que trois personnes qui mangent ensemble doivent, a priori, dire le Birkat Amazon ensemble, un qui va le dire pour tout le monde, et avant de dire le Birkat Amazon, il va auparavant les inviter à dire le Birkat Amazon en faisant le Zimoun, en leur disant « Préparez-vous, vous êtes prêts à ce qu'on fasse la Bracha d'Hachem qui nous a donné à manger ?» Oui, on est prêts. « Baruch Elokeinu Shachal Mishelo » ou « Baruch Shachalou » s'ils sont 3 ou s'ils sont 10. Mais on glorifie Hachem qui nous a donné à manger, et puis après il commence le Birkat Amazon et il dispense tout le monde comme ça. D'accord? C'est le principe de la misa du Zimoun qu'on fait. Maintenant, il faut savoir, pour faire le Zimoun, il faut qu'on soit nécessairement en train de manger ensemble. Imaginez que j'ai bientôt la bar mitzvah de mon fils, et puis j'ai reçu à peu près 77 personnes chez moi, j'ai pas assez de place pour mettre tout le monde dans mon salon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le salon du voisin, et comme ça on mange tous ensemble, on communique, on se voit, imaginez, on a une petite fenêtre où on se voit ensemble, tant bien que mal, on a mis les plus vieux ici, les plus jeunes là-bas, comme ça. Mais on est tous ensemble sans être vraiment tous ensemble, et on se parle, on chante ensemble des fois. Maintenant, arrive la fin du repas, on veut faire le zimoun. Est-ce qu'on peut s'associer ensemble? Alors la Mishnah me dit, shtei chaburot, deux groupes, parce qu'on est concrètement deux groupes, on est deux chaburas, une chabura c'est un groupe. Shayuchlot bebayit echad, qui était en train de manger dans une unique maison, ça veut dire qu'on est sous un même toit. On a la maison du voisin, par exemple, qui continue directement. C'est pas qu'on a la maison d'en face, si c'est la maison d'en face, on ne peut plus s'associer apparemment. Je ne sais pas, la lacha, est-ce que ça change ou pas? J'ai un doute, je vous expliquerai après pourquoi j'ai un doute. Mais en tout cas, la Mishnah a présenté le cas qui en parle, qu'ils étaient Bebayit Echad. Voilà, je me trompe, parce que bon, j'aime bien personne qui me dit Wadin Beshte Batim, même si c'est dans deux maisons. Donc, même si c'est dans la maison en face, et c'est mieux comme ça. Je vous dis tout de suite le sujet, après je vous expliquerai plus dans les détails pourquoi. Vous vous rappelez l'époque du Corona? Il fut un temps. On pourra le raconter à nos petits-enfants, tellement c'était original cette période-là. Et on s'est retrouvé dans une situation où on n'avait plus le droit de s'associer ensemble pour faire un minyan. Tant bien que mal, on a continué à faire des minyanim. Il y en a qui ont fait des minyanim en s'associant, en se mettant. Alors, il y avait en bas de chez moi à la maison, il y avait quelqu'un qui se mettait au milieu, puis il y avait des gens qui se mettaient à leur fenêtre, et les gens se voyaient. Puisqu'on pouvait se voir, on pouvait s'associer. Ça vient de cette Mishnah, entre autres. Mais je ferme le sujet de la Corona et des minyanim dans les Mirpesset, qui est un grave problème aussi. Et concrètement, il y a eu deux périodes. Il y a eu la première période où on était réellement stressé, puis après, il y a eu la deuxième période où on a compris qu'on se faisait stresser par un peu pour rien, mais presque un peu trop violemment pour rapport à ce que c'est concrètement. En tout cas, dans la première période, on se mettait dans les fenêtres et on voulait s'associer. C'est le même principe, ça démarre avec notre Mishnah. On a donc deux groupes, le Shabbat Bar Mitzvah de mon fils. On est tous dans un seul repas, on mange le même pain, on mange la même chose, et on a envie maintenant de s'associer pour le Zimoun. Alors la Mishnah m'a dit, Bizman Shemiktatan Roin Elouet Eloua Rolem Sarfin. Il suffit même qu'il y ait un petit peu de ceux-ci qui regardent, qui voient un petit peu de cela. C'est-à-dire, je vous ai dit qu'on a par exemple deux fenêtres. Il y en a qui sont au bout de la table, ceux qui sont là-bas au bout de la table à côté de la fenêtre. Ils voient celui qui est à côté de la fenêtre de l'autre côté. Eh bien, on a réussi à faire faire la connexion entre les deux groupes. Arelo, Misarfin et Zimoun, dans ce cas-là, les deux groupes s'associeront pour le Zimoun. Par contre, Veim Lav, mais sinon. Si on est réellement deux groupes séparés, on ne réussit pas à se voir, même si on a envie de chanter ensemble, et on fait des canons ensemble, chacun il chante plus fort que l'autre, mais on ne réussit pas à se voir. Elo mezamnin atzman, velo mezamnin atzman. Eux diront le zimoun tout seul, et eux diront le zimoun tout seul, on a deux groupes, ils ne peuvent pas s'associer. Précision du Bar Tanoura, attention. Si maintenant on a un shamash, on ne réussit pas à se voir, mais on a un même serveur qui fait les deux tables en même temps, et bien figurez-vous que le shamash, il va réussir à nous associer. Là, c'est un peu plus compliqué comment comprendre dans les détails. C'est plus tellement précisé. D'accord. Fin du premier sujet. Donc, comme je dis maintenant, pour la Corona, c'est un peu
Notamment, est-ce que c'est les mêmes règles exactement ou c'est un peu différent? C'est fréquent lorsqu'on veut associer un groupe de 10 personnes. Il y en a un qui veut prier dans une pièce un peu à part, il faut qu'il fasse attention. S'il est à part, qu'on puisse au moins le voir, c'est mieux prévu qu'ils soient réellement tous ensemble. C'est déjà des qui se mettent. Il y a des tas de halakhot. Le principe démarre à partir de l'an du tard. On n'a pas le droit d'aller s'isoler dans un coin à part et de croire qu'on va être 10, on n'est pas 10. On ne pourra pas faire le kadish selon ce principe. Il y en a un qui est dans les atmashim en haut, les autres qui sont en bas, ils ne se voient pas mutuellement. C'est sûr que c'est un problème. D'accord? En mevachin ala yain, ad shiiten netocho maim. Deuxième sujet, dernier sujet de notre Mishnah, vous savez que lorsqu'on a dit on fait le zimoun avec un verre de kiddush, avec un verre de vin. On dit le birkat amazot sur un verre de vin. Le Zohar parle longuement de l'importance de le faire de la sorte. Combien ça donne du kavod à la bracha. Et concrètement, psychologiquement, regardez comme la bracha elle est belle. Parce qu'on prend un verre de vin et que quelqu'un le dit à voix haute, tout le monde le dit. Dit le birkat amazot à voix basse en même temps que lui. Ça donne une allure que d'un coup, au lieu qu'on est en train de dire chacun le birkat amazot, on est en train de rêver. Ça prend une allure beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus concrète. Donc c'est bien de le faire avec le vin. Et la Mishnah me dit, eh bien, en mevachin ala yain, achiten et tocho maim. Si tu veux dire le birkat amazon sur un verre de vin, il faudra que tu donnes auparavant de l'eau dedans. Divri Rabbi Elazar, tel avait Rabbi Elazar, Chachamim, Omrim, Mevachin. Les Chachamim disent que non, tu peux dire le birkat amazon même si tu ne mets pas d'eau. C'est quoi l'histoire de l'eau? À l'époque, ils avaient des vins très forts, très condensés, très concentrés. Et il fallait couper le vin à l'eau. C'est-à-dire l'usage qu'on a de rajouter des gouttes de vin, selon le pshat de la halakha. C'est pour cette raison, c'est en souvenir avec l'époque où on le faisait, on avait le vin fort. Le vin, il était très fort, très concentré. Et même, je vais vous dire, l'usage, il était de mettre un tiers de vin et deux tiers d'eau pour avoir un vin normal. Sinon, c'était un vin trop fort, on ne réussissait pas à le boire. La Michal me dit, selon Rabbi Eliezer, si tu veux répondre à la mantra de la Geffen sur un vin pareil, il faut nécessairement que tu lui mettes la quantité d'eau requise pour qu'il soit bien équilibré et qu'il soit buvable. Sinon, c'est trop violent, et ça, tu ne peux pas ouvrir la bracha de Geffen sur le Rabbi Elazar. Et sinon, il nous dit, et comme le fichier Aïnem Chazakimod, je lis le Bartanora, et il car akate loïch anel maliota. Sinon, si tu ne mélanges pas, c'est ce qui manquait, si tu ne mélanges pas l'eau, c'est pas encore un vin qui est agréable en guise de vin, donc sa bracha sera borepiria à etz. C'est original, parce que ça reste le fruit du raisin. C'est l'essentiel, la bracha de Borepiret. Mais la super bracha de la Geffen, qui est encore plus précise, tu ne la reçois que lorsque tu as un bon vin agréable à boire, et donc tu ne fais pas de bracha. Et tu ne fais pas de bracha de la Geffen si tu le coupes à l'eau selon Rabbi Elazar. La Chachamim m'ont dit, les Chachamim nous disent non, tu pourras quand même faire la bracha de la Geffen, même si tu ne le coupes pas avec de l'eau. De là provient l'usage de rajouter, selon le plat, des gouttes d'eau dans le vin, essentiellement, surtout, lorsqu'on dit le Birkat Amazon sur le verre de vin, hein, et qu'on dit à la Aretz Atova Asher Natan Lach. Et qu'on arrive au pasouk d'enlever à la colle Hachem le Kenou, et qu'on remercie Hachem sur la bonne terre qu'il nous a donnée, alors l'usage est de rajouter de l'eau en guise de. Le vin, il est tellement bien et fort qu'on est obligé de rajouter de l'eau pour qu'on puisse le boire. Du coup, on a l'usage de rajouter une deuxième fois de l'eau. En plus du vin qu'on rajoute pour dire le zimoun, on rajoute en plus de ça du vin. En plus de l'eau qu'on rajoute pour dire le zimoun, comme n'importe quel verre de kidouche, sauf la Abdallah, on rajoute du vin un petit peu, de l'eau un petit peu sur le vin. Eh bien, lorsqu'on arrive aussi au. On mentionne le pasouk à la arête, ça tova Hashem Natanach, sur la bonne terre que tu nous as donnée. Moi, j'ajoute encore une deuxième fois de l'eau. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, comme tout le monde.